Le Périgord est à l'image de tout le sud-ouest, un pays de cocagne pour les amateurs d'histoire. La région est réputée pour ses magnifiques châteaux, ses innombrables sites préhistoriques, mais également sa culture gourmande, sa gastronomie. Aujourd'hui, je vous propose de partir en exploration dans notre patrimoine culinaire. Nous commencerons par un voyage dans des temps très anciens, la préhistoire. Que mangeaient nos ancêtres? Comment cuisinaient-ils? Quel rôle le repas en commun a-t-il joué dans le développement de l'humanité? Puis nous irons à la rencontre d'un chef étoilé qui trace sa voie entre respect des traditions et inventivité. L'occasion de poser la question, le terroir, qu'est-ce? Cap sur la Nouvelle-Aquitaine, des mets et des mots. La vallée de la Vézère, en Dordogne, est considérée à juste titre comme un paradis pour les amateurs de préhistoire. 150 gisements, 25 grottes ornées sur seulement une cinquantaine de kilomètres, c'est l'une des plus fortes densités au monde de sites préhistoriques. On y trouve également quelques-uns des plus grands spécialistes de cette période. Serge Maury, archéologue et préhistorien, emmène Eric pour remonter le temps. Un bond en arrière de 25 000 ans, dans le Périgord du temps de Cro-Magnon. Bon, alors, on est arrivé là devant un petit abri, mais qui en fait n'est pas réellement un abri préhistorique. Il l'a peut-être été autrefois, mais les médiévaux sont passés par là, et tout simplement, ils ont creusé ce calcaire relativement tendre qui leur a permis de faire ce qu'on appelle un cluseau. Voilà. Et puis en même temps, il nous offre un espace qui reproduit bien une petite entrée de grotte ou un petit abri local. Car rappelons-le, les hommes préhistoriques ne vivaient pas à l'intérieur des grottes. Non, ils vivaient tout simplement parce que d'abord, ils faisaient du feu, comme on va le voir, et que si on fait du feu à l'intérieur d'une grotte, ben, on sort vite en toussant. Voilà. Bon, voilà. Donc là, on va faire un bond dans le temps. Voilà. Allez, je te suis dans ton chez-toi. Allez. Une étape importante, c'est bien évidemment d'allumer le feu. Et ça, c'est oui. Une technique vraiment très poussée. Explique-nous oui, comment oui. Ça fonctionne. Il y a un silex et puis une marcassite. Ça provoque des étincelles, mais des étincelles qui peuvent permettre d'allumer un champignon qu'on appelle l'amadou. Ah. C'est du lichen? Du lichen, oui. Il y a quelque chose de magique à te regarder faire et... prenant. Et ça marche, c'est ça qui est génial. Félicitations. Bravo Serge, je suis très impressionné. La domestication du feu, on la date à peu près de moins 400 000 ans, même s'il y a probablement des antériorités dans cette pratique. Oui. Mais qu'est-ce que ça va changer dans l'histoire de l'humanité? Ça va changer énormément de choses parce qu'on pense au feu d'abord se chauffer quand il fait froid. Ça a permis à l'homme de continuer à vivre dans un espace européen aux aires glaciaires.
Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, il y a aussi l'éclairage. Le feu, c'est aussi l'éclairage. Ça leur a permis de pouvoir aller un peu plus loin à l'intérieur de grottes, par exemple. Et je dirais presque surtout la nourriture. Ça a permis de consommer des parties de l'animal que jusque-là, on ne consommait pas, sinon en les laissant faisander un petit moment pour qu'elles s'attendrissent un peu. Je pense aux parties musculaires, par exemple. Il est très important de pouvoir le cuire de diverses manières, d'ailleurs. Directement sur le feu, sous le feu avec des plaques de pierre où on peut faire une cuisson lente, plus lente. Mais également, bien sûr, en chauffant l'eau pour pouvoir effectivement prélever dans l'animal et dans l'os en particulier, avec tout ce qui est la partie articulaire, prélever des éléments, des nutriments qu'on ne pourrait pas sinon consommer. Mais tu as piqué ma curiosité, tu parles de faire chauffer de l'eau. À l'époque, il n'y a pas de casserole, et on ne peut pas mettre un récipient sur le feu directement. Eh bien, détrompe-toi, on peut faire bouillir de l'eau sans mettre un récipient sur le feu. Quelle ingéniosité. Vraiment, je suis impressionné parce que je comprends le principe, en fait. On met la source à l'intérieur de l'eau. À l'intérieur de l'eau, ce qui fait que l'outre est préservé. Comme on le voit, il n'y a pas de problème. Le cuir supporte l'ébullition. Que quand on a des galets comme ça, qui sont à plusieurs centaines de degrés, effectivement, leur masse se refroidit. Ils vont transmettre leur chaleur en se refroidissant à l'intérieur de l'eau. Mais alors, dis-moi, comment vous, préhistorien, vous avez pu, à un moment, imaginer que cette technique a été utilisée? Si on vit de l'outre, on verra que tout le choc thermique aura fait que les galets se seront éclatés. Il va y avoir un changement de couleur en même temps. Donc c'est vous avez vu le résultat en fait, du choc thermique et vous avez dit que ce n'est pas naturel, quoi. Eh ben non. Non, d'autant que c'était souvent des concentrations, des amas de galets. C'est-à-dire, en fait, on pensait à une vidange d'outre. Et non seulement ça, mais aussi à proximité, très souvent, on a des esquilles d'os qui ont été fractionnées et qui ont servi au bouillon, qui, elles aussi, sont réparties sur le sol. Je t'ai vu préparer les os, les broyer, découper un peu les parties graisseuses avec ces outils. C'est des répliques. Oui, c'est des répliques. Ce sont des lames de silex, en l'occurrence, celle-là et celle-là. Voilà. Mais qui correspondent à des objets trouvés dans des fouilles. Ah ben oui, bien sûr. On retrouve ces mêmes modèles de lames. Ça coupe mieux qu'un couteau de cuisine. Hein. D'autant que certaines sont retouchées, comme celle-là. Il y a des petites retouches qui font un petit denticulé, en fait. C'est comme un couteau assis. Exactement, voilà. De couteau dentelé. Ouais, on le sent quand on passe le doigt, là. Voilà. Il ne faudrait pas commettre l'erreur, Serge, de penser que l'homme préhistorique n'était qu'un chasseur. Ah oui, ce serait une erreur parce qu'il était aussi un cueilleur et un collecteur. Donc un régime aussi bien végétarien que carné. Ah bien sûr. Ils avaient une connaissance approfondie du milieu dans lequel ils étaient et aussi des pousses végétales qu'il y avait à la bonne saison quand la neige partait. Et ils pouvaient à la fois cueillir des plantes, mais également récolter des baies, etc. Voilà. Et on en a un bon exemple, là, Diane, d'ailleurs. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? On en a un bon exemple, voilà. Voilà, ça, c'est du genévrier. Ah oui ? Mais tu dis que j'en avais jamais vu, de genévrier. Voilà, c'est du genévrier. Et regarde, il y a des petites baies de belles couleurs que connaissent bien les Alsaciens, d'ailleurs. Eh oui, dans la choucroute, il y en a. Voilà, mais tiens, j'ai une petite... Tu vas pouvoir les. Dis donc, quand on fait récolter un sage de survie, il faut partir avec toi. Hein. Voilà. Tu as tout alors, ce qu'il le faut. Le petit sac, on va comme ça récolter. Donc, sac d'époque, refait par toi, mais complètement crédible dans la période dont on parle. Oui, bien sûr. Mais alors, ça signifie que ces baies,
Elles vont être utilisées comment? Par exemple, elles vont être mises dans le bouillon que tu Alors voilà, ça peut être un très bon condiment parce que c'est très parfumé, c'est très agréable et à la fois assez fort. Mais en même temps, ça contient aussi des vitamines. Important pour les hommes de la préhistoire, parce que la vitamine C, par exemple, n'est pas très présente dans la viande. Tu me parles d'apport en vitamine, j'ai compris, mais également de goût. Ça signifie oui. qu'il y a une recherche, j'allais dire, d'un plaisir culinaire. Bien sûr. Tu sais, quand on est un esthète qui fait Lascaux, qui fait Chauvet, on a une vision du monde quand même qui est fine, qui est élaborée. Donc faire des plats rustres alors qu'on est capable d'une expression artistique aussi riche, moi je ne le pense pas. Eric, pour ce petit thé, j'ai invité mon amie Geneviève Pinson, qui est directrice du Centre national de préhistoire à Périgueux, qui dépend du ministère de la Culture, et qui s'occupe plus particulièrement de l'art rupestre. Voilà. Alors ça tombe bien, Geneviève, parce que j'ai une question à rien provocatrice. Est-ce qu'on sait si à l'époque des hommes préhistoriques, la cuisine était plutôt réservée aux femmes ? Alors ça, c'est une question, hein. Je vais oser la poser aujourd'hui. Hein. Mais bon, comme tu as osé, je vais répondre. Franchement, rien ne peut nous le dire que c'est réservé aux femmes ou aux hommes. En fait, c'est réservé à celui qui avait le talent de faire la cuisine, de s'occuper du feu, voilà, faire ce qu'il fallait pour bien nourrir son groupe. Enfin, ils étaient certainement plusieurs, ils ne devaient pas être tout seuls. Est-ce que les repas, notamment les repas pris en commun, ont eu une importance culturelle ? Ah ben, le repas en soi est culturel. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui ou hier, à mon avis, ça n'a pas dû... c'est de toute façon un fait culturel. Ça devait être un moment important, parce qu'en fait, c'est quand même se nourrir, c'est aussi goûter, c'est aussi partager, discuter, avoir un moment de rencontre où on est autour du foyer. On est vraiment dans une situation où on a nos petites habitudes de groupe. Et ça ne change pas. On n'aurait pas pris de repas en commun, peut-être que le langage ne se serait pas autant développé. À mon avis, oui. Et même le foyer joue un rôle important, puisque, comme le disait Geneviève, on était autour du feu, dans les milieux froids, c'était important. Et on était en cercle, un peu comme on est à notre table. C'est-à-dire qu'il y avait un partage à la fois du repas, mais aussi des connaissances qui passaient pendant ce moment-là. La nourriture, elle est importante en termes de qualité. Mais la qualité, elle va avec le social, avec la sociabilité, avec les rapports, avec les échanges, avec tout ce qu'on exprimait. Prendre le temps. Par rapport, prendre le temps. Et en même temps, développer à la fois notre convivialité, nos langages, notre altérité, c'est-à-dire attention à l'autre, etc. Et le repas, pour ça, et le tour du feu, pour les hommes de la préhistoire, était un moment extrêmement important et majeur dans la vie des hommes. Dans l'histoire de l'humanité, la cuisine a fini par devenir un élément identitaire. Chaque continent, chaque pays, chaque région revendique des traditions gastronomiques, un patrimoine de l'assiette. Comment écrire de nouvelles pages tout en continuant le récit? C'est l'un des défis que cherche à relever Vivien Durand. Ce chef étoilé, originaire des Pyrénées-Atlantiques, est aux commandes depuis 2014 du Prince Noir à Lormont. C'est un lieu quand même assez incroyable, belvédère au-dessus de la Garonne, à l'entrée de Bordeaux, et puis ce château, Prince Noir, ça fait rêver. Ouais, ce mot, le hein. Prince Noir, donc le duc de Woodstock, c'était qui avait vécu là au XIVe siècle, juste avant en Aquitaine au XIIe siècle. Et puis c'est un lieu chargé d'histoire parce que il a été rédigé ici le traité de la guerre de Cent Ans. Donc endroit chargé d'histoire, vraiment. Patrimonial, quoi. Patrimonial, prenant à côté le pont d'Aquitaine qui a fêté ses 50 ans. Bon, voilà, c'est un endroit vraiment atypique parce que maintenant, il y a le cours Florent dans le château
Donc pour nous, on a l'air d'être dans une école. Bah, c'est génial, quoi. Chef étoilé, mais est-ce que tu es descendant d'une dynastie de la cuisine? Est-ce que tes parents, tes grands-parents étaient dans le domaine de la restauration? Alors non, pas du tout. Moi, c'est très simple. À 8 ans, j'ai commencé à faire une recette de pâtisserie à ma mère, une génoise de mémoire. Et j'ai trouvé ça presque magique. Et moi, j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Parce que je trouve que c'est un métier d'artisan où on donne quelque chose aux gens. Je suis quelqu'un qui déborde d'énergie et j'adore tout le temps me remettre en question, avancer, progresser. Tous les jours, on doit s'adapter. Tous les jours, on doit trouver quelque chose. Tous les jours, on doit corriger. Parce que d'un légume à une viande ou un poisson, c'est jamais le même. Donc, on est toujours sur le qui-vive. On est toujours en train de voir des trucs, d'essayer. Et c'est hyper ludique, quoi. Quand on vient dans un restaurant étoilé, on vient aussi dans une ambiance. Ici, c'est quoi? C'est plutôt petite musique classique? Non, pas du tout. Led Zeppelin ou les Pink Floyd, on est plutôt ça hein, quand même. Hein. Ça marche 5 minutes dans le Woodstock avec 5 AB, 5 foie gras, 5 chipirons, 5 poulpes, 5 agneaux, 5 chocolats. You need explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire ça, là comme plat? C'est le plat signature, hein, même si j'aime pas trop dire ça, mais c'est le plat qu'on ne peut pas enlever de la carte. D'autant plus que là, c'est, en ce moment, ils en ont bien besoin. C'est un foie gras qu'on confit. Donc il est cuit à haute température, comme si c'était un foie gras bocaux de ta grand-mère, tu vois. Et après, on le grille au barbecue. Wow. Donc on a un. Tu vois, c'est ça le marbrage. Ah, c'est ça le marbrage. Ah oui, donc il doit y avoir un peu le goût de marquage du bois. Exactement. Et ça tire, tu vois, un peu sur la châtaigne, dès qu'on colore un petit peu le foie gras. Et tu vois, la texture, on a un foie gras qui est moelleux, qui n'est pas huileux. Tu vois, comme un foie gras poêlé, là, un peu huileux. Et on a un foie gras extraordinaire. En fait, le foie gras est le support de la betterave. Là, on fait une betterave qui est cuite à étouffer dans du marc de café. Ici, c'est une sorte de chutney de betterave qu'on fait en rouleau. Donc ça, c'est très acide, sucré. Ça, c'est très terre et un peu amer avec le café. J'ai remarqué que souvent, tu parles des produits. Ça dit l'importance du produit dans ta réflexion culinaire. C'est primordial. L'important, ce n'est pas le local. L'important, c'est la qualité. Et forcément, si tu veux travailler local, si tu veux avoir de la meilleure qualité, plus les produits sont proches de chez toi, moins ils voyagent, plus ils sont cueillis à maturité, meilleur c'est. C'est de la logique, quoi. Est-ce que tu crois que tout le monde réalise le travail qu'il y a dans une cuisine comme celle-ci, le niveau d'excellence, on peut dire, qui est quand même aussi une des fiertés de la France? Mais moi, je m'en fous que les gens ne le voient ou qu'ils le voient pas. Moi, ce que je veux, c'est que, quand que ça a du sens dans les plats, quoi. Tu donnes du plaisir aux gens, mais toi, t'en prends pendant que tu cuisines. Tous les gens. Si ça ne marche pas. Ça marche pas. Si tu fais. Si toi tu râles et t'es jamais content et que tu. Ça marche pas, c'est pas possible. Nous on s'engueule jamais ici. Là je te cache pas que je prends un peu en pression parce que ça attend et on va y arriver. Mais tu vois, nous ça. On est toujours engagé, toujours souriant, toujours content. Quand il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Les problèmes, on les règle après. Vivien Durand n'a pas oublié ses origines populaires. Alors il a décidé de créer un autre restaurant, beaucoup plus accessible, au cœur du quartier Saint-Michel de Bordeaux. Pourquoi, Vivien, t'as choisi ce quartier Saint-Michel pour ouvrir ton deuxième restaurant? Je trouve que c'est un quartier très vivant, très vrai, et moi j'adore ça, quoi. Ton restaurant s'appelle Gaota, ouais. C'est du basque et ça veut dire quoi? Pas du tout, c'est du gascon. C'est du gascon? Ouais, et ça veut dire gueule. La carte de ce restaurant Gaota est bien évidemment différente de celle du Prince Noir en termes de tarifs, mais aussi en termes de choix culinaires. Différente, je ne sais pas, parce que tu vois, on a toujours la même implication dans le local, les produits et la façon de prendre le temps de bien faire les choses. Mais par contre, on a voulu créer un restaurant d'habitués et d'habitude. On a fait les menus du midi sur 15 jours et le plat principal, le plat du jour, en fait, il revient tous les 15 jours. Et on a fait beaucoup d'abats.
C'est des produits qu'on a l'impression de ne plus trouver au restaurant. Ouais, et justement, moi, ça me manquait beaucoup. Et on a un super accueil de ça. Et en fait, il y a vraiment une clientèle qui aime les abats. Mais tu ne cuisines pas trop chez toi, ça, en fait. C'est ça qui est super. Et en plus de ça, on a mis aussi des plats de famille. Tous les mercredis midi, on fait poulet frites. L'hiver, tu as une soupe, toujours les mimosas, le poulet, les frites à la graisse de bœuf, la mousse au chocolat. Et le vendredi, on fait un plat de poisson. Donc, on crée ce rendez-vous d'habitude et d'habitué. Et l'ambiance, elle se sent directement dans le restaurant. Parce que tu vois, on est un peu à la maison, quoi. Tu as besoin de cet équilibre entre la cuisine un peu stratosphérique du Prince Noir et celle-ci plus paysanne, presque, on pourrait dire. Alors, j'en ai... Oui, c'est essentiel pour moi. Et c'est surtout que l'un nourrit l'autre. Bon, ça sent bon en cuisine. Alors là, je vais dire un truc, c'est que j'ai carrément très faim. On passe à table ? Oui, tout de suite. Allez, on y va. C'est beau. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta tête? Là, c'est une tête de veau. On l'a fait de façon très classique à la cuisson. Oui. Par contre, on a un snack. On a une tête de veau à la poêle, quoi, un peu croustillante. Alors, je te présente notre convive. J'ai demandé à Christian Coulon de nous rejoindre. D'abord, parce que c'est une fine gueule, ça tombe bien. C'est bien. Mais en plus, on est au bon endroit. Monsieur est professeur émérite à Sciences Po Bordeaux. OK. Ah, il enseigne la philosophie et l'ethnologie politique. Et il est auteur notamment d'un bouquin absolument passionnant aux éditions Confluence, Ce que manger Sud-Ouest. Christian, l'idée c'était quoi? C'était d'aller derrière un peu les poncifs, on a toujours merveilleusement bien mangé dans le Sud-Ouest? Voilà, c'était ça. C'est-à-dire, c'est de mettre cette cuisine en histoire et en mouvement. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la cuisine du Sud-Ouest, c'est le pays de cocagne depuis toujours. Ouais. En fait, si on regarde ça et si on s'intéresse aux documents que l'on a et les témoignages que l'on a de l'époque, ce n'est pas le cas. Hein, c'est-à-dire que jusque, je dirais, au début du XXe siècle, peut-être après la guerre de 14, les gens mangeaient, je ne dis pas mal, mais ne mangeaient pas du tout les produits qu'on mange aujourd'hui. Hein, c'est une cuisine de pauvres, c'est une cuisine assez rustre. Et même le pain était de faible facture. C'était du mauvais pain. C'est vrai que depuis quelques années, le terme même cuisine du terroir, c'est un argument, voire un argument de vente. Pour toi, c'est quoi la cuisine du terroir? Moi, j'ai toujours rapport à dire, tu vois, le poulet rôti du dimanche de ta grand-mère. Au-delà du fait que ta grand-mère, elle fasse le poulet rôti, la vérité, c'est que le poulet rôti, elle le fait tous les dimanches, de la même façon, dans le même four, dans la même cocotte, avec la même température, et qu'au final, ce qui est important, et pour moi c'est ça la cuisine de terroir, c'est la transmission d'un savoir-faire et de garder cette notion-là. Ensuite, il faut l'adapter, le réinventer, mais après on l'adapte à notre sauce. Ce qui est très intéressant dans ton ouvrage, Christian, c'est que tu vas plus vers la réalité que vers l'imité. Et tu dis, la cuisine du Sud-Ouest, c'est moins la cuisine de nos terroirs que celle des périples de nos capitaines gascons. Explique-nous pourquoi tu dis ça. Je dis ça parce qu'un grand nombre de produits qui sont aujourd'hui devenus des produits de terroir sont venus de l'extérieur. Hein? Récemment, dans le Sud-Ouest, on a implanté l'asperge. Avant, ça existait, mais c'était vraiment... Aujourd'hui, les asperges des Landes, du Blayé, c'est quand même tout à fait important. C'est presque identitaire aujourd'hui. C'est presque identitaire, voilà, c'est devenu identitaire. Regarde, le kiwi, par exemple. Oui, pareil. C'est pareil, ce sont des produits... Alors qu'il arrive d'Asie. Donc ce qu'il faut, si tu veux, c'est savoir rendre des produits qui viennent de l'extérieur, se les intégrer et se les approprier selon notre propre tradition et nos propres savoir-faire. Sans la découverte des Amériques, il n'y aurait pas de haricots dans le cassoulet. Il n'y a pas de cassoulet. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au final, peu importe le produit, qu'il soit... vraiment du territoire ou pas, ce qui est important, c'est ce qu'en ont fait les hommes, quoi. Oui, et leur histoire. C'est ça qui est passionnant, en fait. Quelque chose que je fais souvent, c'est le couscous gascon. C'est un plat avec de la semoule, mais au lieu d'utiliser le beurre, j'utilise de la graisse d'oie ou de canard. Ça, c'est bon. Voilà. Et tu vois, le bouillon, je le fais avec une carcasse de canard. Voilà. J'introduis dans la semoule, non pas des raisins secs, mais des pruneaux d'Agen. Et puis, après, je fais des brochettes que je fais cuire sur le grill avec du magret et des saucisses de canard. J'appelle ça le couscous gascon. Et bien sûr, au lieu du harissa, j'utilise le piment d'Espelette. Tu valides? C'est génial, mais c'est génial. Parce que c'est ça, en fait. Tu vois, soit tu intègres un nouveau produit que tu intègres dans ta cuisine de terroir, soit tu t'intègres des produits de terroir ou qui sont devenus dans une recette d'ailleurs.
Mais au final, est-ce que ça ne devient pas du terroir? Bien sûr que mais si. Mais si, ça devient du terroir, bien si sûr. Si tu l'interprètes ou si tu te sers des produits qui sont dans ton coin. Le terroir doit sans cesse être réinventé à t'entendre. Mais c'est ça, oui. Pour finir, je voudrais porter un toast et vous remercier, toi Vivien, pour la qualité de ta cuisine, tes mets. Toi Christian, pour ta réflexion, tes mots. Et ça prouve qu'un repas réussi, c'est bien évidemment ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi et surtout ceux avec qui on partage ce moment. Exactement. Merci. Merci à tout le monde.